basculer sur un dernier parc qui me dérange. J'essaie de vérifier 2-3 nouveautés à faire découvrir à nos lecteurs. Ouais, et donc Passion Pit, alors c'est quoi par exemple? Passion Pit, c'est un jeune groupe américain qui vient de la région de Boston, mais qui a cette particularité, c'est d'être en fait un de ces faux groupes avec un vrai génie à la tête. C'est des très très bons musiciens qui sont tous des musiciens très accomplis, mais qui n'ont aucune marge de manœuvre. Donc un espèce de petit dictateur qui, dont je ne sais pas combien de temps ça durera, qui est un type vraiment brillantissime, mais complètement cinglé. On ne rencontre pas des masses comme ça dans une carrière de journaliste. On va franchir en 20-30 ans. J'en ai pas rencontré des mecs avec un discours aussi inquiétant. Inquiétant, mais c'est-à-dire... La nécessité de la musique, on sent que beaucoup de gens font de la musique, puis toi, tu n'en es pas loin, d'ailleurs, déjà, si on leur enlève la musique, oui, on les tue. Ah oui, d'accord, je vois. Parce que je croyais que tu disais inquiétant, c'est parce que tu es, par exemple, une secte. Non, enfin, je pense qu'il a des problèmes très graves à résoudre psychologiquement. Quelqu'un très dépressif et en même temps très romantique, donc c'est quand même une combinaison assez explosive. Ouais. Et donc il s'est rattaché à la musique, accroché à la musique comme un moule au rocher. Ouais. Et je pense que il a mis tellement de lui dans la musique qu'il a coupé tous les ponts et tout le reste. Et c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis. Pas d'amis, pas d'études, pas de boulot possible, il a tout sacrifié. Donc voilà, c'est un personnage assez passionnant. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Michael Angelakos. Michael Angelakos. Et le groupe s'appelle Pachaki. Est-ce que tu veux que sur le chat on mette un espèce de lien pour aller voir? Alors c'est, oui, dans un MySpace. Je vais aller faire ça et puis... Parce que j'ai tellement consulté avant qu'il sorte des 10, ça fait tellement longtemps que ce groupe est sur le net. MySpace.com. Alors attends, je vais monter un petit peu le son parce que quelqu'un se plaint du... Ah bah je peux pas faire mieux. Bon bah il va falloir parler plus fort. Oui bah tiens, je pense qu'on va... on va se rapprocher tout simplement. Alors donc Lord Piscine, on a compris ce que tu... On entend absolument pas bien ce que dit JD, c'est génial. Bon, je sais pas trop comment entendre ça. Merci, voilà, tiens je vais le marquer. Alors le lien ça serait... C'est www.myspace.com / Passion Pit. Passion, j'imagine. Ouais, Pit, P-I-T-S. P-I-T-S. Jams. Voilà, comme ça vous pouvez aller écouter directement. Moi je vais m'en aller de cette chaise qui marche. Ah, c'est pas mal. Histoire de. Parce qu'on est obligé de faire un petit peu comme ça. Voilà. Et donc tu as rencontré donc Passion Pit Jams ou pas du tout? Oui, je les ai rencontrés, interviewés, j'ai même été redit parce que c'était la première de leur tournée, ils arrivaient des États-Unis. Quand je me mets là, ils arrivaient des États-Unis et leur première date c'était à Brighton. Ouais. Et donc ils ont découvert ce jour-là leur camionnette avec tout leur équipement, alors c'était comme des gosses, contents de trouver exactement ce qu'ils avaient demandé comme équipement, sauf qu'il n'y avait personne pour vider les caisses. Donc tu as fait le redit. À Brighton. Ouais. Parce que donc Jean-Daniel Beauvallet, on va te présenter un petit peu, parce que j'ai quand même oublié que si ça se trouve il y a peut-être des gens qui tombent par-dessus, qui tombent sur la télé par hasard. Jean-Daniel Beauvallet qui est avec nous sur Télékim fait un travail qui s'appelle rédacteur en chef, je crois. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est ça. En tout cas moi c'est ce que je vois marquer. Donc au sein d'un magazine ou d'une revue, je sais pas toujours comment dire, moi c'est... Un fanzine, mais ça fait tellement longtemps que je sais même plus comment l'appeler maintenant qu'on en parle, qui s'appelle Les Inrecuptibles. Et donc ça fait depuis maintenant plus de 20 ans, 87, ouais, non 86 même, oui. 86, ça fait 23 ans. Ouais. Je crie comme ça, comme s'il y avait vraiment des gens qui disent des trucs. Et donc voilà, donc pour ceux qui veulent, qui connaissent pas Les Inrecuptibles, mais je sais pas du tout ce que vous avez fait pendant 23 ans, mais apparemment quand même c'est un magazine ou une revue comme on veut qu'on lit. Et donc ben Jean-Daniel Beauvallet n'habite pas du tout à Paris, là où on est actuellement, c'est-à-dire directement dans le bureau des Inrecuptibles, mais habite à Brighton. Ouais. Et ça, je connais bien. Et je connais pas trop Brighton. Une fois j'ai vu, puis je connais un petit peu chez toi, une fois comme ça, c'est un lieu où il y a quelqu'un de très célèbre qui est venu. Qui s'est déjà mis une espèce de blague marquée, quelqu'un avec qui c'est toi, mais c'est plus qui. C'est une fausse plaque. C'est une fausse plaque, ouais. Les bâtiments mûrs sont des espèces de plaques en céramique bleue, ouais. Quand des personnes célèbres ont habité là, et moi j'en ai une fausse de comme quoi Sid Vicious a habité. Voilà.